Messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Pumpkin Man. On se retrouve donc pour ce troisième épisode de la carrière en extrême avec AG2R. Voilà, il y a des petits problèmes de freeze, mais la Milan Sanremo, c'est une étape assez lourde. Du coup, pas beaucoup de FPS, mais ça va aller. On est donc à 35 km de l'arrivée. On va approcher de la Cipressa. Alors, j'ai oublié d'enlever ça et ça. Voilà. Merci Patrick Chassé, mais ça va aller. Donc, on a donc Nico Dance que j'avais placé dans l'échappée, qui est là avec Chadaga, Troya, etc. On a 40 km, on approche bientôt de la Cipressa. Vous voyez, Zondrol Stenger sur son pic de forme qui a un petit plus 3, c'est cool. Il avait en forme du jour estimé plus 4, hein, Zondrol Stenger, plus 3, c'est limite mauvais. Mais voilà. On a donc le train du moulin qui va remonter les bidons, du moulin qui va emmener tout le monde jusqu'au pied de la Cipressa. Ensuite, avec Axel Domon prendra le relais dans la Cipressa. Après tout ira bien. Ouh, le train est fort. Par contre, oui, Goujard, il faut qu'il remonte dans le train. Mais, il faut que Montagouti remonte aussi, plus vite. Allez, c'est parti. C'est parti, du coup. Allez, du moulin, c'est bon. Il remonte. Allez, allez, Mathéo, là, faut remonter. Tu fais ton sprint. C'est bon, au moins, il a donné des bidons à Zondrol Stenger. C'est ce qu'on voulait. Nicodem est toujours en HP. On suit les attaques. On va mettre Ticodens en auto et on va lui dire de suivre les attaques. Voilà. Pendant que du moulin roule et Montagouti, si tu pouvais rouler et pas te faire bloquer, cette épée serait bien. Donc Montagouti va tout donner. Hop là, c'est bon. Il a pas des grosses stats, Montagouti. Pourtant, il fait des belles choses. Et pour arriver à Cipressa, petit gel énergétique pour du moulin. C'est parti. C'est parti pour cette Cipressa. Pour la Missam du moulin. Genre, toujours en extrême, hein, bien évidemment, je rappelle. Nicodens, petit gel. Il s'est retrouvé tout seul, Nicodens, là. Ça, c'est fini pour Nicodens. On est en train de partir avec Zondrol Stenger, là. Le train G2R qui est pas mal. Allez, Zagiré qui roule. Zagiré qui roule. On va sprinter nous avec, avec du moulin. Allez, du moulin, ne bloque pas le train. C'est bon. Allez, c'est parti pour Axel Domon. C'est pour Axel Domon. C'est à Gouti-Gouti, c'est temps, ils font leur vie. Zondrol Stenger qui a perdu un peu de barre rouge, mais c'est pas grave, il va la récupérer dans la descente. C'est pas grave du tout. Hop. On se met un petit rythme tranquille histoire de planter deux pelotons. Hop là. On va même se mettre en rester en groupe. Daryl Impey bien placé. Daryl Impey, attention. Hein. Il peut faire des bons sprints, Daryl Impey. Voilà, la barre rouge qui revient. On va même récupérer de la barre jaune. Tout va bien. Nelson n'est pas en forme de ouf. Mais j'espère qu'il passera quand même avec de l'énergie au sommet pour pouvoir lancer le sprint à Zondrol Stenger. Ça fait un bon pour son pilote, hein, Oliver Nielsen, quand même. Son pilote de luxe. Allez, Nielsen et Stenger, par contre, faut remonter, là. On se met dans la roue. Allez, Nielsen, là. C'est bloqué, c'est pas grave. On retourne sur le plat. C'est intelligent, ils ont bien géré leur système de train, quand même. Hein. On prend les roues et tout, machin, c'est bien géré. Ça, par contre. Allez, c'est le Domon qui roule. Il roule fort, même Féliné n'arrive pas. Féliné essaie de bloquer, mais il n'arrive pas. Il y a toujours une échappée devant avec Kochetkov, Aga et Nicolas Blum. Bon, ça va pas aller bien loin cette échappée. Voilà, on accélère un peu pour essayer de mieux placer. On a plus roulé Goujard sur le plat. Hein. Ah bon, deux mon 70 pleines du coup. On est dans un tunnel, on va accélérer. C'est Domon qui va accélérer pour se placer alors que Bob Jungle se roule en tête. Hein. On tombe pas de la barre rouge. Allez, c'est parti avec ce Domon qui s'écarte. Avec Sigoujar qui fait le train. Allez, on est pas mal là. Ouais, on va le faire prendre son gel maintenant, comme ça c'est fait. Allez, Alexis. Son Zondrol Stenger qui est pas mal. On se fait un peu bloqué. On se fait même complètement bloqué là.
Allez, allez, faut pas se faire bloquer là. On ralentit un peu pour atteindre Enger. Allez, Enger revient dans les roues là. On reprend le gel énergétique. Et là, Alexis, où genre on parle. On part avec Enger dans la roue. Allez, la descente mouillée là. Il pleut, la descente est mouillée. Attention aux chutes. Donc là. Là, Nelson va falloir qu'il lance le sprint dès qu'il peut. Donc, allez, on va lancer le sprint avec le genre Nelson. Pour Zandrol Sanger. C'est parti, il est bien placé, Nelson. Il est bien placé au lieu de Nelson. Oh, Enger qui perd un peu la roue. C'est bon, il a réussi à revenir. Allez, Enger qui lance sous la flamme rouge. L'objectif, c'est le top 10. Est-ce qu'on va gagner, mais il en saurait moins en extrême? Non, Zandrol Sanger pas assez fort, mais une deuxième. Non, pas deuxième. Ah, si, deuxième place. On est seulement battu par Degen Kolb. Mais c'est pas mal, deuxième place, Milan San Remo en extrême, c'est ok. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, hein. le train était bien. Je pense que voilà. Peut-être utiliser Gauthier en plus, non, je pense qu'on était bien. On était bien placé au sprint, et voilà quoi. Il a fait son sprint, une grappelle mâchée. Un beau. Une quatrième place à Saboigny, vous voyez. Il y avait du beau monde, hein. On fait quand même deuxième, on utilise un Roll Singer, c'est pas mal. Bon, je suis content. Deuxième place, l'objectif c'est le top 10. On aurait pu remonter, hein, pour gagner le plus d'argent. Donc voilà, c'est la fin de ce Milan San Remo, mesdames et messieurs. On se retrouve pour le prochain objectif qui devrait être quelque chose comme une classique pavé. Donc ça va être, on va enchaîner une classique pavé là à peu près. Alors voilà le sprint. Voilà, on a dégagé une colle trop fort, on n'a pas réussi à le passer. Reveron, heureusement qu'il n'y a pas de quelques mètres en plus, pour Reveron il était costaud. Et voilà donc, pour notre ami John Degenkolb, il s'impose. Allez, on se retrouve pour les classiques pavés dans quelques jours. Allez, à plus.